Allez, Ronaldo. Montre-le, Ronaldo! Pourquoi j'aime les corners? Pourquoi j'aime les corners? C'est bien, mon ref. Rappelle-toi, je t'ai pas causé d'event, c'était écrit. C'est quoi que tu vas unboxer? Bah, je vous en parlais dans un instant. On a relancé un petit peu Fortnite en plus pour l'occasion. J'avais envie d'y rejouer et tout, donc ça tombe très très bien. On a reçu des cadeaux Panini. Ils savent comment ça marche, ils ont mon adresse. Ils avaient kiffé ce qu'on avait fait la dernière fois, donc on avait fait un unboxing en live. Puis en plus, on avait fait après des émissions avec les cartes. Rappelez-vous, j'avais invité des joueurs pro, je leur donnais des cartes. Vous pouvez jouer certaines armes, pas jouer certaines autres armes. Et on avait fait surtout gagner la même chose à un viewer. Qu'à quoi? On va faire l'unboxing en cam. Donc t'as forcément. Bah, attendez, on se met en cam, cam, full cam, ma gueule. Allez, Ronaldo, avance-toi un peu. Allez, Ronaldo. T'es vraiment un dieu, frère. Tu vois pourquoi je veux toujours avoir des corners? Il est trop fort. Il est trop fort. Regarde, il y a les deux duels médias au-dessus. Ah, il reste que des solos. Que des solos. Que des solos. Que des solos. Ouais, que des solos. 2v1, v1. Exactement. Ça devrait le faire normalement pour les duels médias. Hein. A voir si Nate peut essayer de clutch. A voir si le mec en dessous. Ah. T'as des builds encore. Oh, tu ne sauras pas se jeter comme ça, pas se donner. C'est plutôt bien réalisé. Faut assurer la deuxième balle, c'est fait pour Nail. Et maintenant, c'est une situation de 2 contre 1 contre 1. Et c'est la victoire des Dual Media, DKS qui assure 7 kills, top 1. Ils ont eu la hauteur. C'est ça, ça fait 32 points. Donc, déjà, t'as le classeur à collectionner avec les cartes autocollantes. Donc, là, carrément, elles sont numérotées. Tu trouves la carte, tu la colles. Les autres, t'essayes de les choper ou de les échanger avec tes potes pour pouvoir avoir la collection complète. Donc, t'as ça déjà. Et sinon, vous avez le classeur de rangement. Classeur de rangement, classeur simple avec justement des cartes. Et c'est là où justement vous avez les cartes plastifiées qu'on avait utilisées pour jouer tout simplement. Et on va tout déballer. Donc déjà là j'ai deux classeurs. Il va tirer en bas à gauche, il va tirer en bas à gauche. Putain, bas à droite, c'est vrai qu'il est marqué en bas à droite. Allez, stop les mon ref, c'est pas t'es qui. Pogba. Let's fucking go! Elle est inarrêtable. Elle est inarrêtable. Inarrêtable cette frappe. Oh, faut pas rater les edits là, c'est pas timing. Peut-être que ça lag, il est dans son box. Oh, peut-être pour un exploit extraordinaire. Il a tombé le KV, essayé de le vider pour récupérer les points de vie, mais est-ce qu'il va avoir le temps? Parce que là maintenant il y a le 1v1 à gérer. Kha'Zix, ce turn. Ce turn réflexe. Kha'Zix, mesdames et messieurs. Et là d'un coup on lui sort là. Voilà. Le ballon! Contre qui tu fais tourner le baba? Reste ici! Il y a 6 joueurs en vie, dont 4 trios, hein, mesdames et messieurs. Oh, le 120 de DKS sur Loki! Mirza qui a récupéré la hauteur, qui finit Fanta. 2v2. Non, 2v1. 2v1 maintenant. 1v1. 2v1. 2v1 maintenant, effectivement, DKS et Mirza face au dernier. C'est fait par DKS! On a. Cette grosse boîte énorme, mais ils m'ont encore régalé. Hein. Une pochette est égale 2,99€, c'est ce qui a marqué derrière. Et je ne sais pas combien il y en a, frère, mais franchement, ça, dans mes rêves, c'était posé chez le marchand de journaux et je ne pouvais que les contempler de mes propres yeux. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre des rêves enfouis de gosse que j'étais, je suis trop refait. Gros, regarde le paquet, frère. Rappelez-vous, vous aviez tous au moins une addiction à un de ces bails-là. Donc, on va aller voir ça, on va aller analyser ça. Je vais en ouvrir quelques-uns, même je vais peut-être tout ouvrir, honnêtement. Il prend du sale. Hein. En gestec, je suis au max de mon niveau là. Frère, mais recrutez-moi! Mais recrutez-moi, Vitality, tu fais quoi? Vire Rocky pourri là qui fait des 29-1 et recrute un vrai joueur. Bon, oui, je suis à 10-6, mais c'est un accident. Pardon, Rocky d'ailleurs. Oui, je sais pas pourquoi. Pardon, excuse-moi, frérot. Je suis chauffé, tu connais FIFA. Excuse-moi, coach. Et ça continue de bien se passer. Il récupère des maths. Et là, c'est clairement un gros travail collectif. Hein. Chacun regarde d'un côté. Vraiment un 3, alors que pourtant, la position, elle est pas... C'est très petit. Attends. Tezen qui est l'OHP. Tezen qui est mort. Ouais, what? C'est Mitro qui vient de se faire exploser. Potassin qui vient de les détruire. Il reste que mon Graal. France, mon Graal, bienvenue en France. Potassin, repart des blagues qui font l'exploit en pêche. Oh mon dieu, il l'a tué au harpon à la fin. Je sais pas si t'as vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la boîte métallique, justement, qui elle aussi est faite pour le trading car. Ah, mais il y a des cartes dedans aussi. Donc c'est une boîte métallique qui te permet de les amener avec toi. Oh shit. Avec justement à l'intérieur des cartes et des boosters. Plus de boosters, toujours plus de boosters. Il y a quoi? Il y a 5, 6 boosters. Il y a 5 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 boosters et t'as 3 petites cartes qui ont peut-être un peu plus de valeur parce qu'elles brillent, elles ont des bails chelous. On va aller regarder ça de très près, mais je vous dis ce qu'il y a dans mon carton qu'on m'a envoyé. En tout cas, grand merci à Panini, encore une fois, il pense à moi. N'hésitez pas à penser à moi régulièrement pour ces choses-là avec grand plaisir. Hein. Avec grand plaisir, soit je les utilise, soit je les offre autour de moi. Ça fait toujours extrêmement plaisir, sachant que je vous rappelle qu'un viewer gagnera exactement la même chose. Oh, bel effort, monsieur. Let's go! Neymar joue!
Et donc du coup, commençons par le classeur autocollant. Donc je vais chercher mes stickers autocollants qui étaient du coup ceux-là. Hop. Et je regarde ce que j'ai chopé. Du coup, ils sont numérotés derrière. 14. Vous les voyez, ils sont numérotés derrière. Et en fait, t'as des lieux. Oh, c'est trop bien parce qu'en fait, il y a des cartes. Alors, ça, c'est à collectionner. Donc, faudrait voir aussi les cartes plastifiées. Tout ça, c'est à collectionner. Mais en fait, t'as des lieux, t'as des armes, t'as des skins. Skins de bouclier, skins de personnages. T'as des situations, t'as des lieux. Bah, du coup, les lieux, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de verre dans Fortnite vu qu'il y a de l'herbe. Du coup, vu que j'ai mon fond vert, vous allez voir des trucs transparents. Mais c'est pas transparent, c'est du vert. Donc là, j'ai les Ilecs, par exemple, etc. Donc, imaginons, je prends, vas-y, on va dire un que vous voyez bien. Celui avec les deux skins. Oh putain, je déballe tout. Oh, oh, le combat est fou! Le combat est fou et ça, c'est le nouveau champion! Horizon qui met le trou noir, du coup, ça t'aspire et ils ont balancé full grenade dans le trou noir. Mais heureusement, Juliette et Aki étaient un petit peu en décalé. Roby a pris une sauce monumentale. Horizon, nouveau personnage sur Apex Legends. Alors toi, si tu croyais te mettre un shield gratos. Non! Magnifique, magnifique. Et je plaque. Non, pourquoi il m'a pété? Et je plaque. Thank you. Thank you, thank you. Donc par exemple, vas-y, on va prendre ce skin là. Numéro 92. Donc là, j'ouvre mon classeur. Je vais chercher le numéro 92. Donc là, on est en 200. Ok. 125. 88. 92. Stiegel SGT. Sergent Grill, elle est toujours à point. Ah, oh, c'est trop bien, il y a toutes les définitions, il y a tous les bails. Monsieur Thomas, ce n'est pas un légume. Pyjama pizza, dormez avec un style qui tranche. Sergent Steak, vos ennemis sont cuits. Je le dépose. Et mesdames et messieurs, mon classeur vient d'obtenir sa première carte de collection. Elle est là, au cas où. Il est là, le 92. Il est capturé. Et donc, bon, je vais pas tout faire en live, mais l'idée, du coup, c'est d'ouvrir tout ça. Ah, tout ça, et de tout coller. Il a plus de points de vie. Ah, non, non. Ça me casse les couilles. J'aurai des balles, j'aurai nettoyé tout le lobby. Donnez-moi les balles. Mais je tourne autour de lui, je lui passe la gueule parce que mon personnage est trop débile pour lui dire, pour lui prendre la tête, il va craquer. Voilà, si vous avez besoin de retour, les développeurs de Apex, n'hésitez pas, Locklear est là pour vous. Et voilà, les retours, notez, notez. Bon, je sais. Rien fait du tout, putain. Bon, moi... Au moins, il mouille le maillot. Au moins, il mouille le maillot. Premier foot champ de ma vie, vous étiez là. Premier foot champ de ma vie, regardez bien. Pas de stress pour la dernière game. Le 20 win est fait, mesdames et messieurs. Le 20 win est fait, mesdames et messieurs. 20 victoires, 9 défaites, vous étiez là. Premier foot champ de ma vie, let's go. Je suis trop content, bien joué. Merci à tous pour votre focus, pour votre soutien, pour vos conseils. Et il va nous rester juste un match pour le fun. Juste un match pour le fun. À la base, Squeezie, t'étais avec Gotaga et Mikalo. Je prenais, je t'explique, j'aurais pris Aurélien tranquillement, se serait dirigé vers un Mikalo. On aurait passé une soirée splendide. Bim bam boum, laser à gauche, laser à droite. Boum 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 boum. Au lieu de ça, on a un gars qui give up la dernière game. Qui nous laisse au malaise. Il nous laisse pas les yeux, il y a des bons. Je connaissais bien pas. Arrêtez. Les gars, c'est streamer battle. C'est du fun. Merde. Non mais vous battez pas. C'est qu'une merde mon pote. Putain. Je suis toi avec des crackers alors je voulais des cracks, ça me casse. Hors jeu. Ne vous chauffez pas, il est hors jeu. Et ben on finit sur rush kill, mesdames et messieurs. C'est synonyme d'une victoire supplémentaire et le score définitif que vous pouvez faire tourner dans le monde entier. Que tous les streamers, que tous les viewers, que tous les êtres humains soient au courant. Premier foot champ de ma vie, 21 victoires, 9 défaites. Merci à tous pour votre soutien et à la semaine prochaine. Ah si. Hop. Ah si, là, vous l'avez bien vu, là. Ah si. Eh ben écoutez, je pense que sur ça, vous avez fait le tour. Je n'ai ouvert que... Attends, mais j'en ai ouvert combien? J'ai ouvert 10 boosters, frère. Get la collection. Et je crois qu'il n'y a pas un doublon. La tête de Ham, que je crois qu'il n'y a pas un doublon. Je vous assure que j'ai pas un doublon là-dedans. Et j'ai rien ouvert, hein. Regardez ce que j'ai ouvert. Gros, il paraît encore plein, le paquet. Voilà. Regardez, il y a une pile en moins, là. Regardez ce que j'ai ouvert. J'ai ouvert que ça. Eh ben écoutez, on met ça de côté et maintenant, on va aller faire le top 1. Le top 1 Panini. J'ai pas dû faire ça, non? Je sais pas si ça compte. Wouah, j'en ai les larmes aux yeux, mec.